Bonjour, bienvenue. Merci pour faire partie de cette audience pour cet atelier. Hier, on a parlé de plan de rénovation du gouvernement, Nicolas Hulot et Jacques Mézard, sur le plan de rénovation énergétique. Je pense que c'était passionnant si certains d'entre vous y étaient. Ici, on parle d'une démarche complètement complémentaire, très innovante, qui aboutira à une réglementation, mais qui tient lieu d'expérimentation. Donc c'est assez inédit en France. Et donc, bien évidemment, les professionnels, l'Intec, les professionnels de la filière de la construction sont complètement actifs, proactifs sur ce sujet d'expérimentation, sur le fameux label E+, c'est moins. Avec nous pour en parler, Sylvain Tessier, qui est donc à votre gauche, qui est vice-président en charge de la R&D, recherche, développement et formation continue au sein de l'Intec. Vous avez Alain Mios, qui était là ce matin pour un atelier, qui est directeur international des normes de construction à la RICS. Et vous avez Jean-Loup Boissou, qui est membre du conseil du groupement des industriels prescripteurs, le GIP, et qui a en charge les relations et la communication externe. Donc, le label E+, c'est moins, vous connaissez le sujet, mais ce n'est pas encore abouti, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet. Sylvain Tessier, on peut dire que c'est un référentiel pour consommer moins de carbone et générer de l'énergie positive. Ma question est très restrictive, puisque c'est la définition de E+, c'est moins. Donc c'est un référentiel, c'est un label ? Bonjour. C'est un label, effectivement. Donc l'objectif, c'est de permettre à tout le monde d'expérimenter. Ce n'est pas une réglementation. C'est donc une application volontaire pour tester ce couple réduction énergétique et également maîtrise des émissions carbone des bâtiments neufs construits en France. Et quand vous dites bâtiment neuf, donc c'est pas l'ancien, mais c'est neuf logements, tertiaires, bâtiments publics, ou progressivement ça ira sur les différents segments de marché ? Voilà, pour l'instant, dans le cadre de l'expérimentation, ça ne couvre que quelques typologies de bâtiments, donc les logements, maisons individuelles, logements collectifs, du tertiaire, et puis les autres bâtiments. Voilà, tout n'est pas défini pour toutes les typologies de construction neuves, mais le but, c'est d'expérimenter pour aboutir ensuite à quelque chose de beaucoup plus exhaustif. Alors, deux petites questions, l'historique et le futur. L'historique, c'est un bébé qui est tout chaud, qui a quelques années, et l'Intec a été partie prenante dès le départ sur cette réflexion expérimentale. Alors, ce label est né d'une concertation pendant quasiment une année avec toute la filière du bâtiment et l'immobilier en France. Donc, les pouvoirs publics ont réuni tous les représentants de la filière et évidemment l'Intec pour présenter des économistes. Pour réfléchir ensemble sur ce nouveau label, avec cette ambition d'associer le carbone à ce qu'on a l'habitude de manier jusqu'ici, c'est-à-dire la maîtrise énergétique. Donc le label est d'application depuis l'automne 2017, avec une phase d'expérimentation qui va s'achever en fin d'année. Et comme l'aboutissement, c'est l'ART 2020, ça veut dire que, vous confirmez, j'imagine, c'est dire qu'on sait qu'en 2 ans, on va réussir à faire des expérimentations suffisamment instructives pour que ça puisse donner corps à une réglementation. Donc on est en plein dans le cœur de l'expérimentation en ce moment. Moi, je remarque qu'il y a un site qui s'appelle Bâtiment Énergie Carbone qui recueille en fait cette expérimentation. Donc chaque projet qui utilise le label Énergie Carbone est invité à déverser des informations techniques et économiques sur ce site. Aujourd'hui, il y a environ 150 bâtiments, plus de 700 logements, 100 000 m² de bâtiments tertiaires qui sont déjà dans le cadre de versés à cette expérimentation et qui vont permettre vraiment d'objectiver cet impact du carbone sur l'énergie et également sur la partie économique qui n'est absolument pas oubliée dans cette expérimentation. Merci. Alain Mews, vous participiez à un atelier passionnant ce matin. Au niveau de la RICS, vous êtes en charge de la Direction internationale des normes de construction. Il y a l'équivalent de ce label, plus c'est moins, World Life Carbon Assessment for Construction, au niveau de la RICS, donc
des 150 pays et des 1200 membres, il y a une même démarche de label et d'expérimentation ? Alors tout d'abord, il n'y a pas encore de normes internationales en termes d'évaluation. Cependant, au sein du RICS, nous avons publié une évaluation de ce qu'on appelle la vie du CO2 dans l'environnement bâti en date de novembre 2017. C'est un sujet très important. Notre sentiment est que les éléments tangibles en termes et nourrissant la matrice sont extrêmement importants, en particulier liés au CO2, aux gaz à effet de serre. Au-delà des compétences nationales, avec une portée internationale, et notre conviction est que dans notre évaluation du CO2 et de l'ensemble de sa durée de vie, eh bien, nous devons mettre en place une véritable évaluation parce que ceci joue un rôle très important dans l'évaluation du bâti. Et par conséquent, nous avons, par le biais de ces éléments de mesure de CO2, nous avons défini une méthode rigoureuse de normalisation. Alors, ce n'est pas encore une norme internationale, ça pourrait en devenir une. Et ici, les normes internationales dont on a parlé ce matin jouent un rôle clé et sont en interaction avec ces évaluations internationales en termes de classification des coûts de matériaux, entrent pleinement dans cette méthodologie que je viens de vous décrire. Et cette norme internationale se fonde sur la norme européenne existante. Alors, il y a effectivement, il n'y a pas de rupture entre les méthodologies, les concepts européens et européennes et internationales. Il s'agit là de méthodes. Je pense que nous devons aller vers quelque chose qui est établi de manière dans un cadre logique et dans une structure logique de manière à pouvoir recueillir des éléments et arriver à prendre les bonnes décisions. Par exemple, le double vitrage dans les bâtiments vont permettre de diminuer les émissions. Cependant, un triple vitrage arrive à un résultat moindre, moins positif qu'un double vitrage. Donc, il y a toutes ces connaissances qui doivent entrer dans des projets de construction et nous devons refléter les bonnes informations par les bonnes méthodologies. Mais sur un plan opératoire, comment vous fonctionnez ? Il y a des pays tels que la France, l'INTEC et les acteurs de la construction qui participent avec les pouvoirs publics au label Le Plus, C'est Moins. Et il y a d'autres pays qui ont cette même démarche et ça remonte ses coordonnées avec la RIX. Comment, ou alors, est-ce que, en fait, autre question, autrement posée, la question, c'est les 150 pays et 1200 membres, tous participent à cette réflexion sur ce label. Et est-ce que c'est aussi une démarche d'expérimentation ? Parce qu'en France, c'est une expérimentation. Ce qui est assez inédit, puisque parfois un gouvernement peut avoir un mode très directif. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors tout d'abord, nous devons établir ce qu'est une bonne pratique professionnelle dans ce domaine-là. Et ces bonnes pratiques professionnelles transcendent les frontières et en fonction de la maturité de l'économie et des réglementations. Mais dans les économies émergentes et en développement, nous pensons qu'il s'agit là que les pratiques professionnelles peuvent s'inspirer de ces mouvements. Et si nous pouvons recueillir ces données, eh bien, cela va mener à de meilleures décisions dans les projets de construction également. Je ne pense pas qu'il faut légiférer par rapport à des certificats ou des labels comme cela, mais il faut avoir une approche ascendante et descendante. L'approche ascendante, c'est vraiment de permettre aux preneurs de décision d'être nourris par les bonnes informations. D'accord. Il y a une échéance pour la France dont parlait Sylvain Tessier tout à l'heure, c'est 2020, la fameuse RT, réglementation thermique 2020. Est-ce qu'il y a une échéance que vous avez schedulée, que vous avez programmée au niveau de la RICS sur une date
un objectif de date à atteindre pour délivrer les résultats de ce label World Life Carbon Assessment for Construction par rapport à la date de 2020 en France, qui est l'échéance. Je comprends. La déclaration professionnelle qui a été publiée est en fait entre en vigueur à partir de cette année, de mai de cette année. Et ici, une déclaration professionnelle, ce qu'on appelle au niveau du RICS, et je dirais qu'il y a beaucoup de... Alors, le MUST, c'est la marque de la réglementation de ce qui est obligatoire, et le SHOULD, c'est beaucoup plus dans le « nous devrions » où il devrait. Et ici, un jour ce rôle, nous pensons que le reporting devrait être fait dans cette veine-là. Et dans ce domaine-là, nous attendons à ce que nos membres puissent respecter notre déclaration professionnelle au niveau de l'organisation. Et l'objectif est d'arriver à ce que ces réglementations puissent être plus largement adoptées sur le marché. Plus soutenu, plus adopté. Est-ce que vous voulez nous montrer, you'd like to show some slides, vous nous montrez quelques slides, Alan Muse, if you want? Alors, c'est simplement un petit peu quelques éléments contextuels par rapport à la norme. Ces normes aborde la manière de mesurer les données tout au long de la vie du projet, notamment avec des données sur les émissions de CO2. Alors, en 2013, nous avons commencé à parler de recueil des données et de conversion de mètres cubes de béton en acier. Comment cela s'articule en termes d'émissions de CO2? Et ces déclarations professionnelles se capitalisent sur le travail, les travaux publiés en 2011 par les instances européennes. Et ici, cela permet par exemple à les économistes spécialisés dans le domaine des coûts, non seulement de faire un reporting au niveau des coûts sur la base des normes locales de l'ICMS, mais il y a l'élément CO2. En même temps, et donc un économiste de la construction ne peut pas faire un reporting sans un outil qui couvre l'ensemble du cycle de vie global. Donc le défi, c'est de disposer d'une structure au sein de cette approche tout au long du cycle de vie, de manière à pouvoir recueillir ces données et de pouvoir faire un reporting tout au long de la vie du projet. C'est ça l'objectif. Et là, nous nous fondons sur les normes européennes et donc nous espérons que, bien qu'au départ, ce document était rédigé pour le marché britannique, mais nous pouvons l'élargir à l'Europe. À partir de 2011, nous avons commencé en 2011, mais nous avons besoin de continuer les travaux de manière à ce qu'il y ait un reporting uniforme sur les émissions de CO2, sur le CO2. Et cela permettra justement d'arriver à une meilleure évaluation du projet au global en termes de coûts. Et nous utilisons également, alors ça c'est, on parle vraiment de portée du projet, et il y a également, quelle est la quantité de gaz capturé dans l'atmosphère ou libéré dans l'atmosphère en plus du CO2. Et ici, nous avons aussi des mécanismes qui sont décrits dans ce rapport. Les données, comme je le disais, ont été recueillies par le biais de ce projet en partenariat avec les universités. Donc il y a une approche qui vise l'intégralité de la vie du produit, de la conception jusqu'à la période post-occupation. Merci. Sylvain Tessier, quelle est la définition, en tout cas à ce jour, d'un bâtiment énergie positive, carbone négatif, carbone moins, parce qu'il y a différents niveaux d'énergie, différents niveaux de carbone. Comment vous définiriez, puisque vous êtes proactif au niveau de l'INTEC et en France sur ce projet d'expérimentation de label? Pour vous répondre, je vous propose qu'on passe un, de l'image. Un extrait vidéo sans le son. Je vais faire le son. C'est un extrait d'un MOOC qu'on a fabriqué et qu'on propose
sur justement ce label énergie carbone et l'impact, on reviendra sans doute, du carbone sur nos métiers. Donc le label énergie carbone, aujourd'hui, c'est une expérimentation. Donc plusieurs niveaux sont proposés et chaque bâtiment, chacun de nous peut soumettre son projet au niveau. Donc là, on a 4 niveaux énergétiques dans ce tableau qui sont en fait des gains par rapport à la réglementation française sur les bâtiments neufs qu'on appelle ART 2012. Les deux premiers niveaux sont des gains qu'on côtoie assez facilement. Et puis à partir du niveau énergie 3 et énergie 4, on vient y associer une production d'énergie renouvelable dans le but d'aboutir à ce qu'on appelle un bâtiment énergie positive, donc un bâtiment qui produit autant d'énergie qu'il en consomme. Voilà, donc on y va progressivement. Et encore une fois, c'est libre, que chacun est libre de tester son bâtiment. Et puis, sur ces 4 niveaux énergétiques, on a 2 niveaux carbone qui sont décomposés en deux parties. C'est-à-dire un premier chaque niveau carbone, par exemple le carbone 1, on a une première étape, c'est uniquement les produits de construction et les équipements du bâtiment, où on fait l'analyse du cycle de vie sur ces produits. Puis on vient y associer la partie consommation énergétique. Voilà. Et après, on vérifie si on obtient et on respecte ce niveau carbone 1 et la même chose pour le carbone 2. C'est exprimé en kilos de CO2 par mètre carré et c'est fait à partir de logiciels d'analyse du cycle de vie. Ça, c'est issu d'un MOOC sur l'ACV, d'ailleurs, sur l'analyse de cycle de vie que vous éditez. Un extrait du MOOC. Où vous parlez du label. Absolument, tout à fait. Ce qui veut dire que ça se concilie assez bien, le label E+, C- avec cette démarche que vous avez, dont on parle, qui est le thème du congrès, une démarche d'analyse de cycle de vie quand vous construisez un bâtiment. Concilier les deux. Oui, alors c'est ce qui me paraît et nous paraît intéressant dans ce label, et donc dans ce qui deviendra une réglementation. C'est cette approche sur le cycle de vie du bâtiment. Là, à l'heure actuelle, le label nécessite une étude du cycle de vie sur 50 ans. Voilà. Et donc, c'est extrêmement intéressant de projeter, en fait, lors de la conception d'un bâtiment, sa réflexion sur une durée aussi longue. Et on voit par ailleurs que l'aspect énergétique sur 50 ans prend parfois, sur certains bâtiments, une part très importante de l'impact carbone. Voilà. Donc voilà, ça permet de relativiser et puis ça résonne évidemment pour les économistes sur cette notion de coût global. Tout à fait. Je pense qu'on est très très près de généraliser vraiment ces études en coût global sur tous les bâtiments. Quoi. Donc ça veut dire que 50 ans, l'unité de temps est la même, et tant mieux, ça veut dire que vous maîtrisez bien votre métier pour prévoir à terme, même si on peut forcément se tromper, mais dans un métier de chiffrage d'économiste de la construction, c'est important. Mais ça veut dire que vous arrivez à le phaser, aussi bien pour les premières phases de conception-construction, mais aussi pour les phases de maintenance, d'exploitation, et de déconstruction, et d'associer le label plus et moins pour voir là combien on va consommer en carbone sur ces phases intermédiaires et finales. Oui. À 30, 40, 50 ans. Voilà. J'ai oublié de le préciser, mais c'est ce que vous disiez également. L'analyse du cycle de vie est basée sur une norme. Une norme très, très précise où on étudie effectivement tout le cycle de vie des produits, puis du bâtiment. Donc de l'impact de la matière première, de l'impact du process de fabrication, par exemple de cette moquette, de sa durée de vie, de sa déconstruction, voire de son recyclage, et de l'entretien entre deux. Voilà. Donc il y a vraiment toutes ces étapes-là qui sont prises en compte dans des données qui, elles aussi, sont normées, qu'on appelle ici en France des fiches de données environnementales et sanitaires, ou des PEP pour les équipements. Les FDES et les PEP. Les FDES et les PEP. Très bonne transition. Ah bon? Alors, Jean-Louis Boissou, vous représentez les industriels de la prescription. Vous êtes partie prenante dans cette réflexion expérimentale sur ce label E+, C-. Je dirais qu'on est quand même proactif, puisque le GIP regroupe quelques 46 industriels de notoriété remarquable dans l'acte de construire.
Et la majorité s'est engagée dans cette démarche volontaire, hein, à produire effectivement qui des FDES ou qui des PEP selon les produits de construction ou les équipements. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les quelques 1800 fiches dans la base Ignès, la contribution du GIP est de l'ordre d'un tiers pour 733 fiches. C'est-à-dire donc vous, on est réellement vous délivrez des fiches, les fameuses FDES et sur les matériaux que vous apportez auprès des maîtres d'œuvre dans les chantiers de construction. Exactement. On produit ces fiches de deux manières. Ça peut être une fiche individuelle qui est produite par l'industriel lui-même, ou ça peut être une démarche collective par le biais d'un syndicat professionnel qui apporte une gamme de produits. J'allais dire, cette démarche collective a été la première marche, mais on aboutira vraisemblablement à des FDES individuelles, puisqu'elles ont une validité de 5 ans. Et donc la première étape a été faite collectivement et on va s'orienter sur des démarches individuelles pour chaque partenaire industriel. Vous mettez d'accord avec les maîtres d'œuvre sur le contenu des fiches? Alors tout ça est parfaitement normé via une démarche AFNOR et c'est certifié par un tiers. D'accord. Il y a des normes, c'est très précis. Il y a eu un consensus au niveau des branches professionnelles pour établir les critères et à partir de là, on se doit de remplir et c'est ensuite ce qui est validé, certifié, qui est hébergé via le CSTB dans la base Ignès. Voilà un peu, et qui sera l'alimentation des différents logiciels. Donc vous fournissez données un tiers de la base Ignès. Dans l'immédiat, on est contributeur pour un tiers. Ouais. Mais sur les donc c'est-à-dire les choses sont en train de et les deux autres tiers sont providés, apportés par d'autres sources. C'est-à-dire ma question non, est-ce que le maître d'œuvre a toujours les données sur les matériaux ou la tendance sera oui à terme, mais pas actuellement. Non, les deux autres tiers sont des non-adhérents du groupement. Qui sont impliqués aussi de façon responsable, parce qu'on est dans cette logique de responsabilité, d'engagement envers l'avenir et l'impact qu'on peut avoir par le biais de l'acte de construire. Donc voilà un peu comment les choses s'articulent au niveau du GIP, mais on se voulait d'être un peu les précurseurs et dans la démarche. Donc on voulait absolument être dans la loco, quoi. D'accord. Vous les délivrez sous format numérique ou est-ce qu'elles rentrent même dans la maquette numérique puisque c'est de la data, beaucoup de données. Ouais, on va aller comment la piocher dans mode opératoire, ça rentre dans le process. Dans le mode opératoire, on fournit les éléments certifiés et c'est ensuite hébergé dans la base Ignès et c'est à partir de la base Ignès dont le prestataire est le CSTB d'ailleurs, qui est le garant de bon usage et de la bonne délivrance des fiches. D'accord. Sylvain, quand vous recevez les informations, comment vous y accédez? Parce qu'on parle beaucoup de BIM et de maquettes numériques et on voit qu'il y a une vraie proactivité en France. Est-ce que ces données, elles vous satisfont quantitativement, qualitativement et comment elles rentrent dans le process? Alors, je vais déjà répondre sur le process. C'est un lien direct entre la base Ignès qui héberge les fiches et les logiciels d'études. Voilà. Certains logiciels sont compatibles avec la maquette numérique, d'autres non. Mais c'est un lien direct. Voilà. D'accord. Dans son logiciel, on sélectionne cette fameuse moquette. Ouais. On va trouver la fiche et les données s'incrémentent automatiquement. Il n'y a pas de ressaisie. Dans le cadre de l'expérimentation du label E+, C moins, il a été décidé qu'on utilisait des fiches qui ont fait l'objet, qui sont conformes à la norme, mais qui en plus ont fait l'objet d'une vérification par une tierce partie. C'est ce point-là qui est relativement nouveau, qui a été décidé il y a un an et qui est mis en œuvre depuis l'automne, qui aujourd'hui pose un peu problème. C'est-à-dire que toutes les 1800 fiches dont tu parlais ne sont pas toutes revérifiées par une tierce partie. Donc on n'a pour l'instant pas encore accès à toutes les données de tous les produits qui étaient sur la base. Mais c'est un process en cours, c'est un travail en cours. C'est plutôt satisfaisant d'être dans cette démarche parce que demain cette donnée carbone va être je pense dimensionnante sur la façon de concevoir et de prescrire les bâtiments et il vaut mieux que ces données soient vérifiées par quelqu'un d'autre et fiables à 100%. Mais alors deux questions rapides, on parle de phasage donc d'anticipation, donc il peut y avoir une évolution en cours dans le chantier, ça peut arriver.
et de façon tout à fait constructive, sans jeu de mots. Mais dans ce cas-là, vous demandez des actualisations, si c'est des nouveaux matériaux ou des matériaux qui ont évolué, vous demandez des actualisations des fiches FDES, c'est possible ? Ah oui, c'est tout à fait possible, de toute façon. Mais c'est vrai aussi pour l'isolant quand on fait l'étude thermique et ainsi de suite. Ça, on sait le gérer. L'économiste n'est pas là forcément pour décrire et prescrire quelque chose de très précis. On doit laisser la possibilité à tous les acteurs de répondre à l'appel d'offres, de répondre à cette consultation. Et on encadre cette consultation par des objectifs liés notamment aux données carbone. Voilà, c'est un process qu'on sait manier sur plein d'autres sujets et qu'on saura manier sur le carbone. Donc, sur un plan qualitatif, ces données vous satisfont en termes de ce qu'elles apportent, ce qu'elles apprennent sur un plan environnemental et données carbone ? Ou c'est perfectible parce que relativement récent ? C'est perfectible et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant et ce que je me permets de rappeler, c'est-à-dire que les résultats aujourd'hui de l'expérimentation, vous faites un bâtiment, vous obtenez tel résultat. Il est carbone 1, voilà. Et peut-être que demain, ce niveau carbone évoluera, oui, parce que des données plus fines seront disponibles. Voilà. Mais bon, il faut être prudent. On expérimente. Ce n'est pas une réglementation. Et je pense qu'il faut jouer le jeu de cette expérimentation pour aboutir à quelque chose qui sera le plus fiable possible demain. Mais ce n'est pas une réglementation. Oui, tout à fait. Et tant mieux, parce que ça permet à chacun, ce que vous soulignez, Jean-Loup, c'est d'y aller dans une démarche vertueuse, d'apport personnel, plutôt que ce soit un petit peu obligatoire et contraint. Parce que chacun a une responsabilité personnelle en tant que citoyen et aussi professionnel. Oui, à la fois en tant que citoyen, mais en tant qu'entreprise responsable. Ouais, je crois que cet engagement envers la collectivité est loin d'être négligeable. Démarche volontaire qui est toujours préférable à une obligation, une contrainte. Donc et une contrainte. Donc ça aboutira à une réglementation qui normalement devrait pas être sous contrainte. Oui, mais qui sera davantage partagée, qui sera davantage acceptée et certainement mieux respectée. Mais alors, en tant qu'industriel, pour les industriels que vous représentez, est-ce que parfois il n'y a pas un trade-off, un arbitrage ? C'est oui, j'ai envie de donner l'information, mais je n'ai pas forcément envie de donner l'information et les données parce que ça touche à ma stratégie de sourcing. Alors, je dirais que les informations diffusées par le biais des fiches, on a aussi, j'avais pris ma petite anti-sèche, il y a aussi les modules de données génériques qui sont, lorsque les FDES ou les PEP n'existent pas, sont édictés par le gouvernement, on va dire, par le CSTB à la demande de HUP, qui est là le minima requis. Mais pour en revenir sur cette logique industrielle, il faut absolument qu'on puisse avancer et montrer la bonne volonté et la responsabilité de chacun dans l'acte de construire. Quoi. Il faut être vraiment. Donc ce ne sera pas une obligation parce que c'est participatif au départ. Donc c'est vous qui nourrissez l'administration et les ministères plutôt que ce soit on est contributeur et je pense que cette expérience-là sera, de par sa pédagogie, est beaucoup plus acceptable qu'un diktat tel qu'on a pu le connaître auparavant en donnant une date limite d'application. Donc, mais si on fait des comparaisons par rapport à l'automobile. L'automobile, au début, il a été à reculons dans l'environnemental, ce qui n'est pas le cas du bâtiment. Là, ils ont vu qu'il y avait un marché énorme. Mais il y a quelques années, ce n'est pas leur souhait du tout. Là, vous y allez avec une démarche beaucoup plus participative, et tant mieux. Peut-être c'est aussi ces retours d'expérience. On peut penser que dans l'absolu, il y a un énorme marché, même sur un plan commercial. C'est les bâtiments avec le label E+, C-, quel que soit son nom à terme. C'est un label de qualité, comme peut-être dans l'agroalimentaire aussi, et dans l'automobile par rapport aux normes électriques. Oui, effectivement, ça sera un label différenciant d'acteurs responsables. Je crois que c'est ça qui est quand même le... Et c'est parlant pour le maître d'ouvrage et l'usager final. Et l'usager final, parce que, j'allais dire, ce qui est imaginé dans l'analyse du cycle de vie, c'est à la fois la construction, mais c'est au niveau également de l'usage et le comportemental qui a une implication qui est grande. Je crois qu'aujourd'hui, il se dit que l'empreinte carbone sur 50 ans pour un logement est de l'ordre de moitié pour la construction, mais de moitié autre pour l'utilisation, pour l'exploitation.
Donc ce n'est pas négligeable, ce qui fait que quand les choix seront faits de l'optimisation de la performance, eh bien, je dirais plus le bâti en lui-même sera performant et plus l'empreinte carbone sera minime. Donc c'est ça qui va engendrer, lors de la conception, des réflexions, un bouleversement des valeurs. Et ça, c'est motivant parce qu'on fait un acte qui sera, je trouvais le terme de responsable assez juste pour le définir, quoi. Là, on a un représentant des industriels, on a un représentant d'une fédération professionnelle, on a un représentant d'une association internationale, l'ARIX. Tous les acteurs de la filière de la construction, Sylvain Tessier, participent à cette expérimentation, sont volontaires. Mais ma question est naïve. Hein, y a pas de, on peut imaginer les architectes, les ingénieurs des bureaux d'études, aussi les maîtres d'ouvrage, quel que soit le secteur. Pour l'instant, c'est sur du logement, mais à terme, ce sera forcément sur du bâtiment tertiaire, ce sera aussi sur les bâtiments publics, puisque c'est une partie, c'est l'État ou les collectivités. Est-ce que tout le monde est partie prenante dans ce label et en cours d'expérimentation, label Le Plus C'est Moins ? Et je poserai la même question à Alan Muse, okay, au niveau de la RICS. Lors de la concertation, je disais que toute la filière du bâtiment et de l'immobilier, donc encore plus large, était bien présente, sûr. Mais j'ai oublié d'autres acteurs qui étaient là, en force, les fournisseurs d'énergie, bien sûr, qui ont forcément beaucoup de choses à dire. Quand on va calculer l'impact énergétique sur 50 ans, ça peut modifier sur des masses relativement importantes le business et le modèle économique aujourd'hui, quoi. Donc vraiment, non, tous les acteurs sont présents, ont été présents, associés à la concertation. Et le seront encore lorsqu'il faudra tirer un bilan d'expérimentation et définir l'argumentation. Et c'est voilà, je sais que c'est peu fréquent et je rejoins effectivement l'aspect pédagogique de cette dynamique commune où tout le monde n'est pas d'accord au début, mais bien sûr, tout le monde est d'accord pour expérimenter. Oui. C'est le terrain qui parle. Et être ambitieux, quoi. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Alan Muse. Vous, avec l'échelle internationale de la RICS, quel est votre angle de vue sur le degré d'adhésion et de participation des différents acteurs de la construction dans les différents pays sur ce label World Life Carbon Assessment Building? Je pense qu'on comprend réellement que c'est quelque chose de clé pour ce qui concerne la protection de l'environnement. Selon mon expérience, les acteurs de la construction sont vraiment impliqués, les architectes, les ingénieurs, les contracteurs, les gestionnaires de projets, les constructeurs, etc. Mais je pense, et je voudrais vraiment dire que c'est une obligation pour eux de le faire, car la construction est un processus global et on ne peut pas arriver à des résultats sans réellement investir tous les acteurs de cette mission. Et il faut faire en sorte qu'ils soient impliqués de bien des manières. Nous avons parlé, par exemple, de la capture du carbone, le piégeage du carbone, des émissions carbone dans certains produits. Je pense que c'est vraiment essentiel que l'industrie fasse face à ce défi technologique. Et il faut trouver bien des manières différentes de travailler là-dessus pour pouvoir y parvenir. Par exemple, en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, trouver des solutions est une chose, mais concevoir quelque chose d'optimum et parvenir à construire une solution réelle est quelque chose de différent. Et l'idée est vraiment de faire en sorte que tous les acteurs travaillent ensemble. Et il faut faire ça de manière normalisée. Il faut vraiment informer les personnes, leur communiquer toutes les données qu'on a à disposition afin qu'ils travaillent de concert et qu'ils puissent atteindre les objectifs souhaités. Et c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur l'ensemble du processus de la construction. Car la façon dont nous envisageons, dont nous gérons les bâtiments,
est essentiel. Il faut vraiment avancer dans notre manière d'envisager les choses en termes de technologie, d'information. Je ne sais pas, par exemple, d'intelligence artificielle. Il faut travailler de manière beaucoup plus collaborative. C'est une question pour vous trois, mais peut-être Sylvain, les bâtiments qui consomment le plus de carbone sont par définition les plus anciens. Est-ce que le label E+, C- qui est pour le neuf dans l'expérimentation, est-ce qui est bien normal, puisqu'on peut le maîtriser, ce qui n'est pas encore à construire, est-ce qu'on pourrait l'appliquer ou le décliner, le particulariser pour les bâtiments anciens ? Et comment ? Ça serait, je pense, très intéressant. Après, se posera la question de la donnée carbone sur des matériaux anciens mis en œuvre. Voilà. Pour récupérer les données. Quel est le niveau actuel pour caractériser le gain éventuellement après une rénovation ? Ce qu'on fait sur la thermique, on peut le faire sur le carbone, mais il faut créer des données. Donc il y a tout un travail de re-engineering pour rétroactivement retrouver les données des matériaux anciens. Oui, retrouver ou voilà, définir des données génériques liées, je sais pas, au mur en pierre. Voilà. Mais ça me semble un process intéressant à poursuivre, parce qu'on est vraiment dans une démarche d'intelligence collective sur on se projette et on traite le sujet majeur du changement climatique qui sont les émissions de gaz à effet de serre. La finalité, c'est ça. Donc on comprend assez rapidement ce qu'on est en train de traiter et d'améliorer, quoi. Et avant 2020, quelle est l'approche ? Est-ce qu'il y a une échéance intermédiaire d'après vos premiers retours d'expérience avant 2020 ? Précision, on parle de 2020, on n'en sait rien. C'est pas nous qui décidons. Donc maintenant, on parle de 2021, on ne sait plus. Bon. L'échéance, c'est entre aujourd'hui et 2020-2021 de tirer le bilan de l'expérimentation. Voilà. Après, on n'a aucune certitude. Certains sont en marche rapidement. Donc on ne s'est pas surpris que des décisions arrivent plus tôt. D'accord. Voilà. L'important, c'est d'expérimenter et d'avoir les moyens. Et je vous ai rappelé quelques chiffres sur les bâtiments déjà versés à l'expérimentation. Ouais. Voilà, on a déjà une matière pour collectivement décider quels seraient les niveaux de la future augmentation. Alors, tout à l'heure, Alan Mews vient de parler de maquettes numériques, de BIM. Dans ce congrès, on parle de maquettes numériques, de BIM, de label plus c'est moins, d'ACV. Donc tout ça, c'est de l'innovation technologique ou en termes de méthode d'organisation de travail. Donc j'imagine, vous nous avez montré, Sylvain, tout à l'heure, un MOOC. Donc vous, dans votre action au niveau de l'Intec, c'est aussi de former, comme ici, dans le cadre d'un congrès, c'est d'informer, de sensibiliser, mais aussi, par voie digitale, vous éditez des MOOC sur ces sujets, sur ces problématiques qui sont des ruptures en fait dans les méthodes de travail ou dans la maîtrise du digital pour son métier. Oui, la responsabilité des fédérations et des syndicats, c'est de très vite faire comprendre l'impact potentiel d'une nouvelle réglementation. C'en est pas une, mais c'est quand même un élément nouveau qui va se diffuser. Là, l'ambition, c'était pas de former des économistes à réaliser des ACV. Que je précise, qui est tout à fait à notre portée, hein. Mais c'était surtout de bien comprendre comment ça peut influencer déjà notre métier de prescription et d'estimation. Voilà. D'accord. Donc c'était l'ambition, et je sais que d'autres fédérations s'engagent dans la même démarche pour très vite diffuser ce savoir. Merci. Alan Mews, au niveau de la RICS, vous participez aussi à des actions de communication auprès des membres. C'est une action concrète et qui votre présence l'illustre aujourd'hui, mais par voie de formation auprès des entreprises membres de la RICS sur ces problématiques de World Life Carbon Assessment for Construction Project et aussi sur les sujets que vous évoquiez tout à l'heure dont on parle dans ce congrès, qui sont le BIM, la maquette numérique, puisqu'on est en pleine rupture d'innovation et de méthode de travail actuellement. Et donc vous apportez des formations auprès de vos adhérents et vos membres ?
Tout à fait. Et on le fait ça de deux manières différentes. Tout d'abord, avec des programmes CPD très étendus, des programmes pour nos membres. On essaie de les garder, de faire en sorte qu'ils soient à jour en termes de pratiques, de lignes directrices, d'innovation dans l'industrie. Et on fait ça au sein également de l'IRCS. L'idée est vraiment de produire des formations qui vont au-delà juste des études. Et grâce à ces deux canaux de formation, nous mettons sur pied un programme de formation qui est très étendu, notamment en ce qui concerne tout ce qui touche au carbone, mais également à la modélisation des informations du bâtiment et tous les défis à relever. Comment tirer à profit de tout cela et vraiment en tirer avantage? Merci. Merci Alan, merci Sylvain, merci Jean-Loup. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les s'exprimer. Il y a quelqu'un qui va venir avec un micro. Je vais faire ma question en anglais plutôt qu'en franglais. Ma question concerne Sylvain. Vous parlez du cycle de vie du carbone dans votre présentation et tout était calculé au mètre carré. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez utilisé les premières normes et si c'est le cas, comment avez-vous pu vous aligner sur les autres pays alors que il peut y avoir une différence de 57% en termes de mesures selon les normes utilisées. Par ailleurs, si vous avez utilisé cela à l'échelle mondiale, comment avez-vous pu différencier les normes de mesure des différents pays? Je ne vais pas vous étonner, c'est quand même un processus franco-français. On aime bien. C'est pas moi qui ai défini ce process, hein. Je l'applique comme tous les acteurs, donc voilà, on n'a pas du tout, à ma connaissance, on n'a pas. La filière et les pouvoirs publics n'ont pas souhaité forcément se rattacher et faire une recherche pour être le plus proche de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Encore une fois, c'était un process qui était calqué déjà sur une réglementation sur l'aspect énergétique, qui était déjà bien, bien franco-française. RT 2012, 2012, qui était bien française. Donc, malheureusement, on reste dans cette démarche d'appliquer des normes d'études internationales, mais avec une spécificité française, quoi. Philippe. Donc Philippe Estingo à QC. Donc dans le prolongement de la question, comment se positionnent les fiches par rapport aux obligations du règlement des produits de construction au niveau européen? C'est-à-dire les autres produits européens qui pourraient venir sur le marché, est-ce qu'il y a une attention sur le fait qu'il y a besoin de faire des fiches? Donc ça, c'est la continuation de la question. Puis j'ai une remarque, excuse-moi Sylvain, mais sur la question l'utilisation de E plus C moins sur la réhabilitation, mon analyse personnelle, c'est pas, il faut faire l'analyse du bilan carbone de ce qui est déjà construit. Ce qui est déjà construit, il faut partir du principe que le coût carbone, il est déjà payé en termes de construction. Et donc, ce sera les éléments qu'on ramènera dans le cadre d'une réhabilitation sur lesquels il faut faire un bilan carbone. Et on fera un bilan carbone très positif avec les économies d'énergie qui seront générées par la réhabilitation. Donc, c'est un calcul qui est différent, mais on n'aura pas besoin d'aller rechercher le coût carbone des vieilles pierres. Excuse-moi. Par contre, la question me semble essentielle autrement par rapport au RPC. J'ai pas d'éléments, moi, concernant la comparaison des fiches qui viendraient de produits étrangers. Je suppose que là aussi, il faudrait que ça soit mouliné via la base INIES pour qu'on ait des éléments de comparaison communs. Mais je ne connais pas la procédure particulière qui peut être faite au niveau international. Mais est-ce qu'il y a une association, l'équivalent du GIP, à l'échelle européenne? Je vais essayer de répondre un peu à la question. Caroline Estornel, je représente l'association des fabricants de matériaux de construction.
Bien sûr qu'il y a des fiches de données environnementales et sanitaires dans plusieurs pays européens, puisqu'on les établit sur la base d'une norme européenne. Pour l'instant, elles ne sont pas connectées au RPC. Dans tous les pays, ça continue d'être une démarche volontaire. Et donc, dans pratiquement chaque pays, il y a un programme, on appelle programme opérateur, qui gère un peu, comme on fait dans INIES, les EPD en anglais, des produits de construction et des équipements. Et donc, on fait tous partie d'une association européenne où on échange nos pratiques. On échange sur la vérification par tierce partie aussi, pour avoir un peu le même niveau d'exigence, le même niveau de qualité. Et puis, on établit des passerelles entre les programmes. Ça veut dire qu'en particulier, on a des relations privilégiées avec les Allemands. Et des EPD qui seraient déclarés pour un produit fabriqué en Allemagne, mais qui voudraient être vendus en France, on part de la FDES allemande et on demande certaines adaptations pour qu'elles soient représentatives sur le marché français. Donc, par exemple, les distances de transport qui peuvent être modifiées, par exemple, les scénarios de fin de vie qui peuvent être modifiés. Et donc, on accepte dans la base INIES cette EPD sur la base de l'EPD allemande, on accepte une EPD francisée. Et donc, on a déjà dans la base INIES pas mal de fabricants étrangers qui vendent sur le marché français, qui font des déclarations environnementales et sanitaires et qui les déposent dans INIES et qui ont bien compris qu'il y a un intérêt à avoir ce type d'informations. Tout comme nous, des fabricants qui ont des groupes qui vendent dans plusieurs pays déclarent leur FDES en France et déclarent leurs EPD, Environmental Product Declaration, dans les autres pays, selon les modalités. Voilà. Donc tout ça fonctionne déjà. On est par contre parmi les pays les plus avancés parce qu'on a non seulement beaucoup de données, mais elles sont numériques, comme vous l'avez dit. Elles sont directement intégrables dans les calculs. On a un web service qui livre ces données numérisées aux outils logiciels. Merci. Du coup, je peux poser ma question. Bien sûr. Donc c'était concernant en fait la durée de vie des bâtiments, c'est pour monsieur Tessier. J'ai pas trop compris comment elle était calculée. Et puis pour rebondir un petit peu sur votre intervention sur le patrimoine, c'est si je comprends bien un petit peu sur la logique de consommer le moins d'énergie, de libérer le moins de CO2. C'est pas qu'un problème franco-français, c'est vraiment un problème de planète. Et donc, je voudrais savoir comment votre méthode prend en compte les questions qui pourraient être similaires à des questions d'obsolescence programmée en fait dans le bâtiment. C'est-à-dire que dans l'industrie, et éventuellement, oui, une moquette. Il y a un usage effectivement qui fait que ça se renouvelle. Mais concernant tous les éléments structurels du bâtiment, il me semble que en général on calcule 50, 70 ans quand on a des éléments du patrimoine, par exemple la charpente en châtaignier de Cluny qui a plus de 900 ans. Est-ce que c'est pas au-delà de simplement calculer combien coûte un bâtiment, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à la base sur revoir les procédés qui serait à revoir? Comment vous mettrez ça en rapport avec votre méthode? Alors, ce n'est pas ma méthode. J'aurais été incapable. Non, juste pour préciser, c'est les 50 ans que j'évoquais, c'est la durée d'étude. Ça ne veut pas dire que tous les bâtiments, on les démolit à 50 ans. C'est une durée forfaitaire d'étude pour tous les bâtiments. Ce qui permet de se comparer, en fait. Ça a été fixé, on étudie sur 50 ans. C'est l'unité de temps. C'est l'unité de temps d'étude. Ensuite, à l'intérieur de cette unité de temps, on a une moquette qui, une durée de vie peut-être de 15 ans. Donc on va la remplacer plusieurs fois, schématiquement, dans l'étude sur la période de 50 ans. Et puis la charpente en châtaignier, on va pas la remplacer parce qu'elle a une durée de vie plus longue que la période d'étude. Et après, il y avait l'autre partie sur l'obsolescence programmée, où pour l'instant, chaque industriel définit un scénario de vie de son produit, durée, fin de vie, recyclage, voilà. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait d'imposition particulière mise sur les industriels pour
pour réfléchir. Voilà, on sent, il y a une démarche en fait plus globale au-delà de simplement les F2S et les ACV. C'est ce qui était évoqué sur l'aspect responsable, c'est-à-dire que ça engage tout le monde à se poser des questions sur le scénario de son produit. Et on voit bien que les produits et les données que l'on obtient évoluent. L'industriel fait des efforts en permanence pour améliorer son process et donc fournir des données environnementales encore plus intéressantes. Et ça va s'accentuer. C'est-à-dire que demain, cette donnée environnementale, ça va être un élément clé du choix de tel ou tel produit. Parce qu'on voudra obtenir une belle performance, un niveau carbone intéressant, et ainsi de suite. Je pense que les industriels vont se questionner sur cette notion d'obsolescence programmée, mais qui, à mon sens, n'est pas pour l'instant définie expressément dans les normes d'études des ACV. Excusez-moi de vous monopoliser avec mes questions, mais Sylvain, vous avez parlé d'une phase expérimentale. Plus tôt dans la journée, vous avez parlé de l'ICMS. Il y a également une norme internationale pour la mesure des propriétés, l'IMPS. En gardant ça à l'esprit, on se rend compte que tous les pays calculent tout ça de manière différente. Que ce soit, il y a des mesures pour les bureaux, pour les résidences, pour etc., selon l'utilisation du bâtiment. Et est-ce que dans ces cas-là, est-ce que cette norme pourrait vous aider à faire ces classifications et à mettre les pommes avec les pommes de terre avec les pommes de terre, ou est-ce que vous pensez que cela pourrait être un problème? Merci. Vous prêchez un convaincu. L'INTEC a développé également une nomenclature proche de l'ICMS dans le but effectivement de pouvoir systématiser une analyse du bâtiment. C'est surtout ça l'élément fondamental, et de bien classer les pommes avec les pommes. Voilà. Maintenant, à ma connaissance, ça n'a pas fait l'objet forcément de discussions très poussées. Mais on voit, je suis persuadé que ça sera nécessaire, et notamment avec la maquette numérique. Voilà. Demain, on prendra les données de la maquette numérique, il faudra les associer à des données environnementales. Ce n'est pas la même façon de quantifier les choses. Aujourd'hui, il y a un travail nécessaire d'analyse humaine entre les deux. Mais demain, la maquette numérique devra s'organiser pour être conforme à la donnée environnementale, ou l'inverse si vous voulez, mais en tout cas il y a besoin d'une nomenclature et d'une norme de classification des données du bâtiment. Donc l'ICMS peut inspirer utilement les pouvoirs publics français en l'occurrence. Donc, oui, moi j'avais une petite question. En fin de compte, les fiches F2S tiennent compte de l'impact fabrication produit et autres à la sortie d'usine. Est-ce qu'il y a un élément qui est pris en compte suivant la localisation du chantier par rapport au lieu de fabrication? Et une autre question, donc on part sur un forfait de 50 ans qui n'est a priori, en tout cas je l'espère, pas la durée de vie du bâtiment, ou autrement je change de métier assez rapidement. Et est-ce qu'il y aurait à terme peut-être la possibilité de gérer ça à différentes étapes? 50, 70, 100? Pardon, concernant les fiches, j'allais dire, je crois que l'expression est l'analyse du cycle de vie du berceau à la tombe. C'est-à-dire qu'on prend en considération bien sûr la production du produit, mais également son transport, son acheminement, sa mise en œuvre et son comportement, mais également jusqu'à la déconstruction. Donc on a tous ces paramètres-là considérés et valorisés dans la FDES. Oui, j'ajouterais que certaines filières, notamment je pense au béton, ont mis à disposition des configurateurs. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir de la donnée global d'un mur béton, définir pour votre chantier, en fonction de la localisation du mode de production, une donnée plus spécifique. Voilà.
Donc on rentre dans une capacité d'adapter la donnée à la spécificité de son projet. Après, sur la durée de vie, oui, on peut imaginer différentes durées de vie d'études. Ce qui est important, c'est de pouvoir comparer les bâtiments et les résultats. La réglementation thermique impose des scénarios d'usage qui ne sont pas tous conformes à la réalité, mais peu importe. On sait qu'on peut se comparer. Donc ça me semble extrêmement utile de garder une même donnée, une même, voilà, une même lecture des résultats. Par rapport à des bâtiments à énergie positive, quel est le champ d'application de la méthode, à savoir, bon, si on veut voir l'énergie positive, il faut un consommateur. Donc, ce consommateur, ça peut être différentes choses. Ça peut être notamment, par exemple, des véhicules électriques qui sont rechargés par le bâtiment. Comment est-ce que la méthode aborde ce genre d'interaction entre le bâtiment et l'environnement immédiat dans le bilan carbone? Donc, à mon sens, à ma connaissance, je ne crois pas que la méthode utilise et prévoit qu'il y ait des véhicules électriques qu'on le recharge. Par contre, elle connaît la méthode, toutes les consommations énergétiques assez classiques, l'éclairage, le chauffage, la ventilation. Et donc, lorsque sur ce bâtiment on met un élément de production énergétique, par exemple photovoltaïque, la méthode tient compte que la production photovoltaïque est consommée, donc autoconsommée, par les usages éclairage, ventilation, chauffage. Voilà. On en est là pour l'instant. Peut-être que la méthode pourra prendre en compte, si on lui dit j'ai un véhicule électrique, ah bah super, je vais pouvoir le recharger grâce au panneau. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette logique de consommation de la production directement dans le bâtiment. Vous vouliez répondre ? Je voudrais revenir au point précédent sur l'obsolescence, parce que je pense que, en termes d'obsolescence, il nous faut garder à l'esprit dans notre secteur que peut-être que nous allons que nous orientons vers une vie moins designée. Et en ce qui concerne l'obsolescence, une autre forme d'obsolescence arrive bien avant l'obsolescence technique. Et je parle de ça, en fait, parce que je pense qu'il est peut-être difficile de prévoir l'avenir, mais la difficulté en termes d'obsolescence est que c'est une approche vraiment très orientée qui pourrait éventuellement changer dans les 5 à 10 années. Et sincèrement, il faut vraiment que nous prêtions attention à cela en ce qui concerne l'empreinte carbone. Vous avez d'autres questions ou réactions? Bonjour. La finalité de l'expérimentation, c'est quand même aussi le déversement de données dans l'observatoire E plus C moins. Et parmi ces données, il y a la question des coûts, qui est assez centrale. Et aujourd'hui, il y a des dossiers qui ont été déversés. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur justement en termes de coûts que donne déjà cette expérimentation? Oui, à titre personnel et au titre de l'INTEC, on n'a pas accès encore aux données versées dans l'expérimentation. On a réalisé quelques premiers retours d'expérience. Après, il faut être extrêmement prudent parce que les données, notamment carbone, sont assez mouvantes. Le résultat d'aujourd'hui, dans 3 mois, ça ne sera peut-être pas le bon. Les retours d'expérience, bon, vous avez vu, il y a 4 niveaux énergétiques, 2 niveaux carbone, compliqué d'en tirer des conclusions pour l'instant. Voilà, donc ce que. Je n'ai pas de données chiffrées à vous fournir aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que, pour être assez honnête, que tous les projets versent des données économiques. On avait compris, on croit comprendre que c'est des données un peu plus sensibles pour certains projets. Voilà. L'INTEC et d'autres partenaires seront en appui le cas échéant pour aussi fournir des données au gouvernement et à toute la filière. Merci Alan, Sylvain, Jean-Loup. Merci à vous. Peut-être.